Bah franchement je l'ai vécu comme un tous autres match. Je sais pas, c'est, j'ai mis un peu la fatigue de côté, je voulais vraiment que la fête soit belle pour les trois copains qui arrêtent. Et là ça commence un peu à avoir la gorge serrée. Mais non, c'était que du plaisir et je l'ai absolument abordé comme un match qu'on a eu tout au long de l'année. Super, franchement, il faut que les années prochaines, tout le département, la ville, enfin tout le monde se rende compte de la chance qu'on a d'avoir cette équipe ici et se mobilise vers le club parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Tout là, ça. Je switch sur mon avenir proche, sur la semaine à venir. Ouais. On va bien fêter le départ des copains, on va bien se retrouver, on va passer une bonne semaine prochaine aussi ensemble. Et chaque chose en son temps, et je vais penser au futur un peu plus longtemps plus tard. Là, c'était peut-être mon dernier match en pro des deux, donc rien à faire, tout à jouer. Je commence par ça contre le BO aussi, dès qu'on a remarqué. Mais même au-delà de ça, quand on vient finir en Auvergne, voilà, maintenant on verra ce que l'avenir me réserve, mais j'avais pas fait un bon match de pro des deux pour bien finir et avant de tourner la page. D'habitude pour faire des bons matchs, j'ai tout détendu avant, donc je vais garder la même philosophie, détendu, jouer, prendre du plaisir. L'avantage des matchs comme ça, c'est juste que ça envoie du rugby partout, ça envoie du jeu, et donc on prend que du plaisir. Donc voilà, je savais que ce serait ce petit deux matchs, il faisait beau, détendu. On va pas faire des rabat-joie à dire qu'on va jouer ça toute la saison, mais bon, on garde un peu un coin de la tête. Maintenant voilà, on a pris du plaisir ce soir, on s'est éclaté, maintenant on va bien faire la fête, bien fêter la fin de saison, et voilà. Qui part, le plus important, je pense à Jimmy et Toko qui ont marqué l'histoire du club. C'était vraiment à eux de leur rendre un bel hommage, une belle fête, parce que voilà, c'est des joueurs comme ça qui ont fait des carrières énormes. Toko c'est 17 ou 19 ans au club, c'est la chiffre en tête, mais c'est énorme, c'était surtout avant tout pour eux, quoi. Tout le monde voulait se donner à fond. Le stade avait été aussi plein de la saison, donc ça fait plaisir aussi. C'est plus il y a de monde, plus c'est plaisant à jouer, en plus le public nous a bien poussé ce soir, était derrière nous, donc c'était vraiment chouette. Tu as abordé le sujet tout à l'heure, tu as dit que c'était peut-être mon dernier match en Pro D2, t'as pas envie d'arrêter en fait. Ah non, moi celui qui me veut, je signe de suite, hein. Ça à tous les clubs, ah, je suis prêt. Hein. Voilà. Maintenant, l'avenir, on ne sait pas ce que ça amènera, donc voilà, je voulais me faire plaisir, prendre ce que j'avais à prendre, et l'avenir on verra. Maintenant, je suis ouvert à toute proposition. Ouais, je crois que le rugby, c'est une histoire de stade, de club, mais aussi une histoire d'hommes, une histoire d'engouement autour. Et autant plus en Auvergne, j'ai vécu ça ailleurs, mais je crois qu'en Auvergne, ouais, j'avais vraiment à cœur de dynamiser les choses, de pousser le maximum. J'ai passé une très belle saison avec Saint-Simon aussi, que je remercie énormément. Et voilà, je crois que la vie d'un club, c'est la vie d'une ville, c'est plus qu'une équipe.